Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, là on se trouve au stade Robert Ballanger de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Voilà, regardez, c'est magnifique. Voilà, Aulnay-sous-Bois, c'est ça. C'est pas que des grands tours délabrés ou quoi que ce soit. On veut nous faire croire qu'il y a de la délinquance à outrance et tout, etc. Non, il y a un beau paysage. Aulnay-sous-Bois, pour ceux qui ne savent pas, c'est une ville verte. C'est une ville magnifique, que j'aime, qu'on aime. Nous, le mouvement La Révolution est en marche. Mais voilà, pourquoi on est ici? Car la mairie d'Aulnay-sous-Bois a pour projet de tout casser, de tout refaire ici. C'est incroyable. Ça va jusqu'à l'autre côté là-bas, ça va jusqu'à l'autre côté là-bas, ça va derrière. C'est juste magnifique. Et bien la mairie, ils veulent couper le parc Robert Ballanger en deux, afin que du quartier des 3000... on puisse accéder directement au nouveau quartier qu'ils veulent construire à PSA. Ils veulent carrément faire des ruisseaux, enlever des terrains de foot et tout, etc. C'est incroyable. C'est incroyable. À quel moment la mairie d'Aulnay-sous-Bois va prendre en compte qu'ils font consulter la population lorsqu'on parle d'un patrimoine historique? Ça, c'est un patrimoine, ça. Depuis qu'on est petit, on est là. Moi, à titre personnel, je jouais au foot ici quand j'étais jeune, avec Espérance Aulnaysienne. Voilà. Ils veulent tout casser, ils veulent tout refaire. Ah. Aucun moment ils ont consulté la population. Et à titre personnel, j'ai eu la chance d'avoir vu les plans. J'ai vu les plans. Moi, à titre personnel, Adama Traoré, j'ai vu les plans. Donc comment ça se fait qu'aujourd'hui, ces personnes se permettent clairement de faire des projets, d'avancer sur des projets, alors qu'ils n'ont même pas sollicité la population? À partir de quel moment ils vont comprendre que la démocratie, c'est la concertation? À quel moment que nous, on va comprendre que avec ce genre de merde, on est en danger? Bonjour, ne vous inquiétez pas, je suis là-bas. Adama? Ouais. Je suis en pleine réflexion sur le parcours vers Ballanger par rapport à la mairie. Ah, d'accord. Ne vous inquiétez pas, je vous filme pas. Là, je suis en guerre. Il faudra nous filmer, il faudra nous avertir pour qu'on aille chez le coiffeur quand même. Vous allez bien ou quoi? Ça va, nous, on lutte. Ah, il faut. On va pas les lâcher, Ils veulent tout détruire ici. Ah bon? Ah ouais? Ouais, c'est des timbrés, hein. Ouais, ils veulent construire, ouais, voilà. Ils veulent casser, faire un ruisseau, ouais. Couper le parc Robert Ballanger en deux. Ah bon? Voilà. C'est beau quand même, hein? C'est magnifique. C'est ça, en gros, j'essaie de faire comprendre. Pour une chance, on a un truc comme ça à côté des cités. Ouais. Mais on va le préserver, c'est sûr. Ouais, tant que je suis vivant. Tant que je suis vivant, c'est sûr, on va pas le casser. Ouais, merci. Merci, nous aussi, hein. Merci les filles, merci beaucoup. Ouais, eh ben, je suis le premier à m'enchaîner alors. Voilà, eh ben, voilà, on a rencontré des habitantes qui disaient voilà que le gars que le parc il est magnifique. C'est pas normal qu'aujourd'hui la municipalité a pour projet de faire des travaux au parc Robert Ballanger sans même avoir sollicité la population. Désolé, il y a du vent. Regardez, c'est ça le parc Robert Ballanger. Regardez, on va finir. Attends, je saute, hop. Regardez comment c'est magnifique. Et ça, c'est au pied des immeubles. C'est juste à côté du quartier. Et voilà, ils veulent tout casser, ils veulent tout refaire. Et c'est pas normal. À un moment donné, il faut que les Aulnaysiens se réveillent. Il faut que les Aulnaysiens prennent conscience que le mouvement La Révolution est en marche à provocation de monter une liste au municipal 2020 par le biais de son parti politique, la DR, la démocratie représentative, tout simplement pour être autour des tables des négociations. Soit les Aulnaysiens nous feront confiance. Ils nous donneront l'opportunité de pouvoir diriger la ville avec un vrai projet qui sera en direction de la population. Soit, j'espère qu'on sera au moins dans l'opposition. Et nous, on dit la contradiction, parce que l'opposition pour ça n'existe pas. On part du principe qu'on a tous le droit à la parole et qu'on peut avoir des avis contraires. Qu'on discute intelligemment, tout simplement. Regardez, c'est ça qui va le détruire, la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Sans concertation, sans rien du tout. Incroyable. Tous les gens de la ville d'Aulnay-sous-Bois, ils me voyaient avec. Les gens, les agents de la ville d'Aulnay-sous-Bois, ils voyaient avec mon téléphone, ils pètent les plombs. Ils disent qu'est-ce qu'il leur fout à Adama encore. Regardez, il y a un beau vestige. Ça, c'est un avion qui est là depuis des années. Salam. Mais encore cadère, mon frère. Non, je suis en train d'expliquer, mais ils veulent faire des travaux ici. Ouais. C'est timbré, je suis en train de dire, c'est pas comme ça, mon ami. Travaux de quoi? Voilà, ils veulent couper le parc Robert Ballanger en deux. Ils veulent faire un ruisseau chelou, ils veulent tout refaire, voilà.
Ils veulent tout refaire ici. C'est dégueu, non? C'est quoi? Kader, je vais pas les lâcher. Merci, mon gars. Je vais pas les lâcher, jamais. Voilà. Allez, regardez ça. Dites-moi, en France, dans 93, un vestige de la guerre qui est en plein cœur d'une cité. Dites-moi. Il n'y a que Nisubo, il y a ça. Regardez comment il est magnifique, l'avion. C'est ça l'histoire du parc Robert Ballanger, du stade de la Rose des Vents. Voilà. Que avec cet avion-là, eh ben, ça explique comment ça se fait que lorsqu'ils veulent détruire ou toucher à notre patrimoine, ils doivent nous solliciter, nous, les habitants de la ville de Nisubo. Ça, moi, j'ai grandi avec ça. Toute ma vie, je venais ici, on a grandi avec ça. Derrière ça, il y a un terrain de tennis. Il y a un terrain de tennis, j'en suis sûr que le maire de la ville de Nisubo n'est jamais venu ici. À un moment donné, il faut que les habitants de la ville de Nisubo prennent conscience que si on veut se faire respecter, on doit être concerté dans tous les gros projets qui auront un impact direct sur notre qualité de vie. Le mouvement La Révolution est en marche n'est pas un jeu. Et j'invite toutes les personnes qui doutent de mes paroles entre la vidéo que j'ai faite devant l'OPH et la vidéo que je fais tout de suite là, au parc, au stade de la Rose des Vents, allez vérifier. Allez solliciter la mairie de Nisubo et leur demander si ils n'ont pas prévu des travaux au parc Robert Ballanger et au stade de la Rose des Vents. Réveillez-vous, réveillons-nous. C'est plus possible tout ça. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.